Nous sommes dans un refuge LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, créé il y a plus de 20 ans. C'était le premier endroit communal des Côtes d'Armor labellisé LPO. Bien sûr, ici, c'est une mini-réserve avec quelques contraintes. Chien en laisse, pas de traitement et mettre en place des méthodes de gestion d'espaces verts respectueux des équilibres écologiques. Sensibiliser, éduquer les citoyens à la biodiversité. Ici, plus de 40 espèces d'oiseaux, surtout les oiseaux des bois, pivert, pique-pêche, pique-pêchette, citelle torche-peau, les grimpereaux, jet des chênes, chouette-hulotte, etc. Sans oublier le rouge-gorge familier. Nous sommes un samedi matin vers 11h. Et les écureuils et les oiseaux sont perturbés par des chiens en liberté qui fouinent partout. Ce sont des chasseurs sans fusil qui traquent les sangliers. Imaginez s'ils avaient trouvé des sangliers. Fuite de ceux-ci dans la vallée un samedi matin où les gens se promènent et font du footing et un centre Leclerc proche. Imaginez, poursuivi par les chiens. Imaginez, ça, c'est une très bonne idée. Oh là là, oh là là, il y a des chiens en liberté ici. Chiens en laisse ici, hein, s'il vous plaît. Oh, la chasse, c'est un refuge LPO aussi. Ah, vous m'avez pas prévenu? C'est moi qui gère le refuge LPO. Oh là là, je filme tout ça, superbe. Des chasseurs ici. Dans un refuge LPO. Vous savez, c'est un refuge LPO.